Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jurassic World Evolution. Alors on était sur l'île d'Isla Sorna, si je dis pas de bêtises. Ouais, là c'était notre zone principale. On avait deux dilophosaures seulement. Ici normalement on a... Putain, ils sont en train de se chercher ou quoi? Ah non, ils ont l'air d'assez copains. Bon, ils se menacent quoi. Ils se menacent, ils se battent pas vraiment. Pas très méchant quoi. Est-ce que j'ai envie de sortir d'autres dilophosaures moi avec mes 2 millions? Parce que c'est ce qu'on a. Ah oui, la couverture en vigilance, station vigilance météo. Est-ce que je peux pas en rajouter parce que je vois que j'ai là-bas. Mais j'en ai pas ici par exemple. Parce qu'on était en train de travailler effectivement sur cette zone. On peut se faire un petit truc comme ceci. Et ça devrait suffire amplement pour la mission. Et après, ouais, j'ai 4 dinosaures à transférer. Bah, soit on vient remplir ça, en fait. Alors, je sais plus du tout ce que je voulais y mettre, par contre. C'est vrai qu'on a un enclos ici qui est dispo. D'ailleurs, j'ai quoi? J'ai bien une porte là, et j'ai pas de porte sur celui-là. Par contre, je peux pas y accéder. Ça, c'est pas une bonne idée. On va faire aussi une porte, du coup, ici. Et on va en mettre une là pour que les deux puissent communiquer entre eux. Et on va rajouter une ici pour que ces deux-là puissent communiquer entre eux aussi. Ok, couverture, ça c'est bon. Après, j'avais un autre labo. Ouais, celui-là, on a le Parasolosaurus qui peut sortir. Ok, alors est-ce que j'en avais suffisamment ici? Clairement pas. Des Parasolosaurus. Alors, voyons voir. Eux, ils avaient dit, ils étaient à combien en population maximale? 4 à 22 avec un groupe social à 15. Sachant que le Parasolosaurus là. Lui, il faut qu'il soit 6, non? C'est un truc dans le genre. En plus, j'ai de la. J'ai amélioration de la viabilité de niveau 3. Je sais même pas si j'ai besoin d'un truc d'aussi haut niveau. Qu'est-ce qu'on a comme pour le Parasolosaurus? Est-ce que je l'avais. Oh, il a 80. Il a 95% de viabilité de base. Parce que là, ce que je vais peut-être faire, c'est qu'on va augmenter plutôt la capacité de la couveuse. Et en sortir du coup 4 d'un coup, non? Je crois que j'en ai besoin juste pour vérifier. Voilà, il en a besoin d'être avec des copains à lui. Il a 21 au maximum, donc du coup, on va lui en sortir 4 autres. 2, 3 et 4. Ensuite, comme j'ai ici, on va sortir deux nouveaux dilophosaures, je pense. Ça va, j'ai les thunes. Très bien. Et du coup, peut-être que je vais mettre des herbivores avec eux aussi, des herbivores cuirassés. Ou des trucs un petit peu plus grands, quoi. Parce qu'ils peuvent être au total avec une population de 22, sachant qu'ils peuvent être jusqu'à 12. Donc on peut monter à une population de 12 si on veut. Et après, ici, on avait commencé... Ah oui, c'est vrai, c'était pour la mission que je voulais faire ici. Donc on avait le Triceratops, il fallait que j'en sorte. Alors du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre plutôt une capacité de couveuse ici. Et du coup les Triceratops on avait dit. Donc le Triceratops il est où? Là. 1, 2, 3. Il en faut 4, on va attendre que ces 3 là soient sortis. Pourquoi ça s'est endommagé? On va me réparer ça du coup. Pas très bien compris d'où ça venait ça. Où est-ce qu'on a été? Ah oui c'est vrai putain mes expéditions. On a du taf ici. Alors. Et nouveau truc là. L'allosaure c'est un nouveau que j'ai découvert je crois il n'y a pas longtemps. Et le giganotosaure je sais plus si je l'avais pas fini. Et on va aller là après. Sur les fossiles. Ok on a rien ici. Ah zut. Non, mon Triceratops. Ah, la couveuse est hors service. Ils sont en train de la réparer. Ok, on va le jeter. On va en refaire un. Parce qu'on est à quoi? On est à 62 plus 60%. Bah quand même, ça devrait passer, quoi. Et est-ce que j'ai débloqué les 5 étoiles? Oh, non, mais presque. J'y suis presque. Voyons voir. Sur la capacité, on a quoi? C'est un problème de boisson et de boutique, surtout. Alors, voyons voir un petit peu nos boutiques. La boutique de prêt-à-porter, ici, elle est au max. Donc, on va déjà ouais, l'augmenter en double. Le bar ici, ça passe, mais je vais quand même l'augmenter de 1 au cas où. Ici, il y a besoin. Voilà. Et après, on va juste reprendre. Alors, on avait normalement des boutiques par ici, effectivement. Auprès de la division science ah, est excellente. Je suis à nouveau
Et voilà, on est. Putain, je vais même monter jusqu'au niveau. Au niveau max, tiens. Alors, par contre, je gagne rien, donc je vais juste mettre le prix de vente à 7-8. Je m'en fous de faire des bénéfices en fait au final avec ces boutiques, hein. C'est pas le plus important pour moi. Voilà. On va juste monter à 8 du coup. Alors attendez, on va s'occuper de ça. Ok, donc on a deux triceratops qui peuvent sortir. Très bien. Ensuite, on va vérifier cette boutique là. Elle est à 320 sur 320 elle aussi. On va arriver à monter à 5 étoiles. Hein. Et le resto. Ah, il y a du monde hein, dans les environs. Et voyons voir. Alors ici, on a oui, les parasites du chorus à sortir vite fait. Incroyable. Continuez sur cette lancée surtout. Voilà, là on a tous les dinosaures qui ont été transférés en plus, parfait. Alors du coup, ici il me reste... ouais, on a pas tant de monde que ça je trouve ici, c'est un truc de fou. Ah si, là quand même. On va monter jusqu'à 1000. Et après, on a encore la salle d'arcade ici. Ouais, qui elle a la place, mais bon on va y aller encore plus haut. Donc du coup on est à quoi là? Capacité correcte, il nous dit seulement. Sachant que la note des boutiques, je l'ai à peine fait monter à 64% en faisant ça. Ce qui n'est pas suffisant. Voyons voir. Alors déjà, ouais, on a des fossiles à faire. Donc le stégosaure, l'apatosaure, le caillou, le pentaceratops. Ok. Alors du coup, on va retourner sur l'allosaure. Voilà. Donc, si c'est un problème de capacité, pour la capacité, je peux faire encore un autre. Alors, attendez, je vais juste ouvrir la porte. Ah, bah, elle est déjà ouverte, parfait. On va transférer ça et ça. Putain, je suis gavé de thunes en plus. Du coup, ici, on va faire sortir ce monsieur et on va incuber, du coup, on avait dit au moins un de plus. Et après, c'est les apatosaurus. C'est quoi ça, les apatosaurus? Est-ce que je l'ai moi? Ordre alphabétique plutôt. Alors l'apatosaurus, je l'ai pas fini encore. On a quoi? Le Kentrosaurus ou le Pentaceratops? Alors le Kentrosaurus. Ah, celui-là, je peux le faire. Allons-y. Ils en veulent combien? Ils en veulent 3. Ok. Et tous les dinosaures sont parqués ensemble. Effectivement, j'espère qu'ils vont pas s'entrebouffer. Du coup, on va se mettre à notre hôtel. Ah merde, ça m'a... D'accord. Ils m'ont changé un peu les touches ou je rêve? Alors je vais me mettre dans le coin là. Nickel. On va lui mettre un petit transfo dans le coin ici. Voilà. Merde. Trop d'obstruction, dis donc. Voilà. Donc ça devrait bien augmenter notre capacité. Et ensuite, alors ce qui serait quand même sympa, ce serait peut-être d'avoir des trucs d'enclos par ici. Donc notamment, on va mettre une station de gyro. Avec de quoi faire le tour un petit peu par là. Voilà. Qui c'est qui a un problème de santé? Oh merde. Arrêtez de vous entretuer, s'il vous plaît. On va venir les soigner tous les deux. Donc, encore un triceratops, ça c'est bon. Ensuite, on avait effectivement, donc par là, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais mettre un grand poste électrique de toute façon pour les couvrir. Donc, on va foutre ça comme ça, ça va couvrir toute la zone. Avec une bonne porte, enfin, un truc qui va passer comme ça, et merde, j'ai un dinosaure qui est mort. Oh chier. Voilà. Toi tu viens me lier ça, et c'est un triceratops qui est mort. Non. Il me faut, c'est l'équipe de transport. Donc les triceratops x4, je suis surpris qu'il... Ben, je vais en sortir un autre au cas où. Alors, le triceratops du coup il est là.
Vous avez atteint le sommet. J'ai suivi cette aventure. Ça y est. Votre génial. Aventure avec intérêt. Cool. Car j'ai déjà vécu tout cela. Vous me pardonnerez, mais je ne me fais pas trop d'illusions quant à la suite des événements. Parce que le chaos, lui aussi, vous observe. Eh ouais. Jungle, gêne d'apparence. Cool. J'ai encore des morts. Qui est mort? Qui est malade déjà aussi? J'ai un Parasaurosaurus qui est mort ici. Ok, malade. On va le soigner tout de suite. Et ici, ils sont sortis les 5. Oui, apparemment, ils sont sortis. Donc du coup, vu qu'il faut qu'ils soient 4 seulement, je vais en sortir au moins 2 autres. Voilà. Deux expéditions sur les sites de fouilles. Ça, on va accepter. Ce contrat ne devrait pas vous poser de problème. Non, l'équipe de garde. Équipe de garde. Chaque découverte nous permet de mieux faire les deux. Cette expédition a du bon, croyez-moi. Donc Parasaurolophorus, ouais, sur la taille et la machin, on est large. Donc du coup, groupe social, on monte jusqu'à 21 maximum. Donc avec le Tsingtao qu'on a mis à côté, on est à 22 maximum. On est à combien au total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12. Donc j'ai de la place encore pour une bonne dizaine. La question c'est, c'était lesquels déjà qui avaient... Peut-être les Montosaurus. Quelques Galliminus. Je sais que eux ils peuvent accepter du monde. On va mettre quelques Galliminus, tiens. On va peut-être les modifier. D'ailleurs, ce serait pas mal de lui mettre notre nouveau truc là, type jungle. Voilà. Et on va lui modifier un truc qui va lui monter un petit peu son espérance de vie, par exemple. Donc celui-là, il monte à 81. ...102 me semble pas mal. 64% de viabilité, ça ira très bien. Voilà. Ensuite. Alors, faut juste que je laisse de la place parce que comme ça, je pourrais sortir des dinosaures et venir remplir ça. C'est vrai que là, j'ai juste les stégosaures. Les stégosaures, je peux mettre quoi avec eux? Population idéale de 15. Il faudra que je trouve quelque chose qui a... Avec qui ça correspond. Et merde, ils sont en train de se bouffer encore, les autres, là. Tâche supplémentaire ajoutée. On chie. Allez, Triceratops, tu sors. Kentrosaurus aussi, vous deux là. Terminer les expéditions. Ok, on va aller extraire les données ADN. Là, j'ai encore un dinosaure qui est mort. Quoi. Vous avez brillamment atteint les objectifs demandés. Ça peut se vendre. Je n'en attendais pas moins de vous. Ok, nickel. On va repartir encore. Essayer de choper l'allosaure si possible. Après, en théorie, je dois avoir encore... Non, je les ai pas sortis. Je vais les sortir du coup. Deux Dilophosaurus supplémentaires. Ensuite, le premier Galliminus qui est prêt à sortir. On commence à avoir du boulot par là. Si on regarde après, ouais, j'ai une station de monorail là. Comme je disais, il faudrait qu'elle vienne se connecter à celle-ci, je pense. Merde, le Metrianko, il est mort. Grant était fasciné par ce dinosaure. Il pensait qu'il s'agissait du parent génétique le plus proche des espèces aviaires modernes. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on sorte encore? L'Apatosaurus et le Kentrosaurus. Ah merde, c'est génome établi à 100%, je suis con. Le, bah oui, parce que les deux que j'ai sortis, le Kentro, là, il était pas à 100%. Il a 92. Merde, j'ai mal lu. Et le Panta, il est pas à 100% non plus. Hein. Et l'Apatosaure, il a, on l'a combien celui-là, on avait dit? Ah, celui-là, on l'a qu'à 48%. Ok, donc on a du taf. On a du boulot devant nous. Et ça va se fighter encore. Alors le Kentrosaurus, faut quand même que je vérifie si ces mecs-là... Ah, ils ont des problèmes d'interaction. Alors il faut qu'ils soient combien? Il faut qu'ils soient 3 au moins. Je vais au moins en sortir un autre, du coup, même si j'ai pas le truc au maximum. C'était le Kentrosaurus, celui-là. On va au moins en sortir. Allez, peut-être 2 de plus pour être certain, si jamais... On a... Non, parce que le Metrianko, il est mort, remarquez. Ah oui, j'ai de quoi avoir plus de production ici, dis donc. Ok, l'Apatosaurus est viable, sauf que c'est pas... Si! Ah non, mais il est viable, juste. D'accord. Allez, après, j'ai eu un... Oh, merde! Il est mort de quoi, lui? Il est mort de vieillesse? Je pense. On l'aura bientôt récupéré. On va l'évacuer. Ensuite, ici, du coup, voilà, on va sortir 2 Parasaurus de plus. Et un Galliminus de plus. Et on va en incuber un autre.
Voilà, bon alors. On avait dit ensuite ici. Ok, vous continuez. Pas mal tout ça. Alors, le Pentaceratops, c'est dans la liste. L'Allosaur, bon bah finalement je vais du coup un peu moins me focaliser sur lui parce que l'Allosaur n'est pas nécessaire. Donc c'est Penta, Kentro et Apatow. Penta, Kentro et Apatow. Alors, le Penta, il y en a ici. Il y a les Apatow par ici. Le Penta ici aussi. Et on va voir juste par là. Non. Le Kentro, il était où déjà? Ah, bah il est là. On va essayer de focaliser sur celui-là du coup. Un petit peu plus. Et. Ok, le Sauropelta. On a trouvé quelques trucs supplémentaires. Donc après, oui. Comme je disais, je pense qu'on va. On va agrandir le réseau par ici. Et on va vouloir se mettre, voilà, un truc comme ça, qui ensuite va passer par là, traverser au milieu de ce parc. Et on va essayer de passer, si on peut, derrière les hôtels là-bas. Ah fuck, ça passera jamais. Bon, je vais essayer pas de passer derrière les hôtels, je vais essayer de passer devant. Voilà. Ah, attendez, on va essayer de passer plutôt par celui-là. Oh merde. Attendez, je vais enlever ce morceau du coup. On va essayer de faire en sorte que ça passe. Allez, on peut le faire. Alors, si on passe comme ça, on peut tourner là. Voilà, et on va juste virer ça, ça, retour, voilà, nickel. C'est un peu juste, mais ça passe. Et comme ça, on va pouvoir foutre un autre terminus ici. Et ce sera déjà pas mal, parce qu'on a quoi? On a celui-là, on a celui-là. Je t'ai pas transporté toi. Ils sont à combien là maintenant? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça devrait être suffisant. Il me semble qu'il faut qu'il soit 6 au total. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, le Galliminus. Alors, comme je dis, il faut que je laisse un peu de place. Le Galliminus, je crois que à être 1, ça lui suffit amplement. Combien ils sont dans cet enclos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On va en construire 3 de plus. Et ça sera tout. On mettra rien de plus dans cet enclos. Le reste, on l'utilisera pour sortir et aller remplir à d'autres enclos en les mettant au dodo et en les transportant derrière. Donc deux Dilophosaures qui sortent par ici. On a deux Kentrosaurus qui sortent ici pour éviter que les autres ne pètent un câble. Bon, ça c'est celui que je viens de faire qui vient de sortir. Alors j'ai une allée non reliée. Oui. C'est ici que c'est non relié, c'est ça ? Est-ce que je vais pas mettre une petite centrale électrique ici, juste histoire d'alimenter les trucs qui sont dans la région là. C'est soit ça, soit... Ouais, je pense qu'on va mettre une petite centrale. Si ça veut bien. Ok, et on va juste du coup mettre un Pequeña poste électrique comme ça pour l'instant, avec une route. Voilà, juste histoire d'avoir ce truc là, et puis comme ça on pourra foutre, je sais pas moi, peut-être un hôtel et des boutiques. Et alors d'ailleurs, je vais pas juste laisser la station de gyrosphère ici, il faudrait que je rajoute... Ah fuck. Du coup... On va virer ça 2 secondes. On va juste mettre ça du coup à la place. Qu'est-ce qu'il y a comme obstruction là?
Ah merde. D'accord, c'est la... C'est la route. Ah, attendez, je vais essayer de la couper. Modifier le circuit. On va essayer de partir, voilà, le plus vite possible par là. Et après... Voilà. On vient lier ça. Et comme ça, je vais pouvoir mettre mon petit truc là. Alors, je voudrais juste le caler le plus proche possible. Comme ceci. Avec à côté une vue panoramique. Je savais que tu pouvais y rentrer. Comme ça, on vient connecter ça. Voilà. Et même combat par ici, je pense. On va mettre une galerie panoramique ici. Et ce sera déjà pas mal. Hop là. Pas sûr d'être connecté là. Là, ça devrait aller. Alors, c'est quoi la mangeoire qui est vide? Quoi, j'ai encore un... Oh, mais c'est pas possible ça, ils font que crever. Bande de yes. On est en chemin pour récupérer. Et après, c'est quoi qui est vide? Hop là. Donc, si en plus, c'est la... Ouais, celle-là, il vaudrait mieux éviter quand même. Bien reçu. On s'occupe de remplir la mangeoire. Non, les raptors, ils vont vouloir bouffer les visiteurs et ça va pas le faire. Alors, on transfère ça et on s'arrête par ici. Ok, alors les fossiles. Yes, le Cantro, on y est presque. Le Panta, on en est pas loin non plus. Génial, je vais essayer de focaliser un peu sur lui. Donc je vais renvoyer un Cantro. Ah merde, on a un avis de tempête. Le Panta, Panta, Panta. Alors on avait l'Apatosaurus aussi. Et le Panta, il était où? Là. Donc la tempête... Est-ce que ça va être un problème cette tempête auprès des raptors? Ah, les raptors sont pile en termes d'interaction. 2 à 6, oui bon ils sont 6, c'est normal. Par ici on a ok tous les dilophosaures qui sont venus dans ce coin là. Ah putain ils sont jolis en plus avec cette couleur. Alors va bien. Donc eux en termes d'interaction ils sont à quoi? Ils sont à 12 maximum on avait dit, mais sur la population on a encore de la marge. Donc on peut en sortir d'autres. Le dilophosaure. Nickel. Ouais, comme ça, en fait, on va mettre des trucs ici. Comme ça, on pourra voir pour la mangeoire pour carnivore. Pourquoi s'embêter avec les un carnivore, oui. Je vais probablement en sortir un bah, avec les dilophosaures là. Ça ira très bien. Attention, wow, merde. Oh, fuck. Ferme-moi les portes. Menace de dinosaures. Oui. Abri d'urgence. Ouvrir tous les abris, vite. Parce que sinon, on va perdre un paquet de thunes. Équipe de garde 2, tu viens me refermer les portes. J'ajoute ça à la liste. Ici, ici. Demande enregistrée. Confirmé. Là-haut. Ensuite. Équipe de garde 3, tu viens me refermer les portes. Il n'y a pas de porte sur... Si, il y a une porte là-haut. Aucun problème. Et j'avais une porte en bas aussi, ouais. Bien reçu. Bon, pour l'instant, eux, ils sont pas sur le point de sortir. Mais là, ouais, on a tous les raptors qui sont là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ça va déjà nous faire du boulot. Alors, en plus, ils vont se battre avec les dilophosaures. Formidable. Salopard de trucs de la division sécurité, quoi. Ah putain. Alors le Quintrosaurus, je pense qu'on va être presque au max. On va continuer le Pentaceratops on avait dit. L'Apatosaur. Et le Quinta, je vais attendre avec le Quintra. Ouais. On va aller là. Ah, parce que là c'est la merda. Sur les portes normalement devrait arriver à finir.
On va continuer avec les tranquillisants là. On fait celui-là. Puis celui-là. Puis celui-là. Puis celui-là. Puis celui-là. C'est déjà pas mal. Après, les portes sont-elles fermées? Pas tout à fait. La science okay. Se base autant sur l'expérimentation que sur l'observation. Donc là, VLC, il vient ici. VLC, il vient ici. DLP, il vient ici. VLC, il vient là. VLC, il vient là. VLC, il vient là. C'est bel et bien fermé ici, oui. On va endormir ces deux-là. Ils sont en train de se battre en plus, c'est con. Et après, je manque de bouffe en même temps en plus. Génial. On est en route pour la là. Bourgeois. Et là. Ok, bon. Je vais faire un petit break ici, les amis. Et prochain épisode, on va finir de gérer cette petite crise. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous!